Bonjour à tous, c'est moi, Anouk, la sculptrice de ballon. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter le singe sur son palmier et sous forme de chapeau. Donc pour ceci, il vous faut trois ballons. Donc il vous faudra le chocolate brown. Donc là, vous le gonflez à un doigt. Il vous faudra un linguine. Laissez un ou deux doigts. Et pour le singe, il faudra le mocha brown. Et là, vous laissez donc quatre doigts non gonflés. Donc, on va commencer par le tronc. Donc, pour ceci, vous le mettez autour de la tête de la personne à qui vous allez faire la sculpture. Voilà. Vous allez laisser une petite place pour faire une petite bulle. Voilà. Et vous allez simplement tourner votre ballon. Ensuite, vous allez cacher le petit nœud là, vous allez mettre à l'intérieur, vous allez le maintenir un peu ici, voilà, et vous allez faire en quelque sorte, ça s'appelle un pinchus hein, pour les débutants. Ensuite, vous allez refaire un deuxième petite bulle que vous allez coincer à l'intérieur de votre ballon, comme ça. Donc ça permet de positionner votre ballon ici. Voilà. Ensuite, vous le mettez de côté et on va faire les feuilles. Donc on va prendre le ballon vert, on va chercher le tiers. Voilà, ça. Donc on va faire une bulle. On va mettre le nœud à l'intérieur, ça bloque le tout. On va chercher le petit bout, on va le mettre à l'intérieur. Voilà, on peut le nouer. Et on va chercher la moitié ici, voilà, de notre... Voilà, ça fait à peu près un tiers de chacun. Ensuite, cette partie-là, on va la fixer sur notre tige. Donc on va juste faire une petite bulle ici. Et cette bulle, on va la mettre à l'intérieur de nos ballons. Voilà. On va vous voir comment vous voulez le positionner. Donc ici, en général, moi je fais un petit mouvement. Voilà. Vous serrez fort et vous exercez une pression comme ça et vous remontez un petit peu. Voilà, ça donne un petit mouvement à vos feuilles. Ensuite, on va faire le singe. Pour le singe, il vous faut faire une petite saucisse que vous retournez comme ça. Vous allez mettre trois doigts à partir de là, jusqu'ici. Voilà, trois doigts. Vous prenez le nœud ici, vous allez coincer et tourner. Voilà. Et vous mettez, vous cherchez le nœud, vous le mettez à l'intérieur. Ensuite, donc vous appuyez toujours un peu sur le ballon pour contrôler l'air. Vous allez faire une bulle de deux doigts. Et vous allez tourner, vous allez juste tourner les deux ballons. Vous allez tirer un petit peu sur la bulle. Et vous allez tourner trois fois. Donc c'est un premier pinch twist. Ensuite, vous allez prendre quatre doigts pour faire le haut de la tête. Et vous allez tout de suite faire une bulle de deux doigts et refaire un pinch twist. Donc pour ceci, vous prenez la bulle, vous la tirez un peu vers le haut et vous tournez trois fois. Donc là, ça ne ressemble pas à grand chose. Mais par contre, donc, vous allez prendre l'index et le pouce, comme ceci. Vous allez prendre cette partie-là, la monter un peu vers le haut et la tourner deux fois. Voilà. Ça donne ceci. Vous allez simplement mettre les oreilles au bon endroit. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça donne ça. Et donc, vous allez faire une petite bulle de deux doigts. Ça va faire le coup. Et vous allez prendre votre tronc.
Là, vous allez positionner votre singe et vous allez faire le tour du trou. Voilà. Et là, vous allez pincer, prendre la base du trou et tourner. Donc là, ça permet de faire les bras de votre singe. Voilà. Là, vous appuyez un petit peu sur votre ballon. Vous voyez, il n'y a plus grand chose. Donc on va prendre 4 doigts, on va tourner, donc le reste autour du tronc. Et là on va prendre le reste et on va le mettre sous le ventre du singe et on va le faire passer en dessous. Voilà. Une fois qu'on ne peut plus, on va essayer de rejoindre ici. Voilà. Le bas du tronc de votre singe. Voilà. Et donc là, si vous voulez, vous donnez un petit mouvement à votre queue. Ensuite, il vous reste à terminer en faisant les yeux. Voilà. Et un petit sourire à votre singe. Donc vous avez cette version-ci. Vous avez la version avec le petit singe sur sa maman. Donc là, vous prenez un ballon plus fin qui s'appelle le 160Q. Voilà. Et vous avez évidemment le gros modèle que je montrerai peut-être un autre jour. Voilà. Le gros modèle que je dédie à mon amie Nadine qui se reconnaîtra. Voilà, ben je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. Au revoir.